Bleu. Tu te fais brancher, non? Non, 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 non. C'est ça, hein? Tu es né où et quand? Je suis né le 27 juillet 1971, Yengen-les-Bains. J'ai grandi là-bas, j'étais toujours à gauche, à droite, dans un arbre au bord de la rivière, dans les tribus, je me baladais beaucoup. C'était une belle époque, avec chasse et pêche. C'est quoi tes origines? Fairbank, donc origine anglaise, et mon père est né en France, et ma mère ici à Koné. Tes parents, ils faisaient quoi? Mon père était gérant du Koulnoué et ma mère était secrétaire de mairie à Yengen. Et tu faisais quoi avant d'être candidat? Aujourd'hui, je suis donc éducateur à la province sud et je développe les activités handisport avec école handisport pour les jeunes, les compétitions, le soutien aux associations, aux clubs. Pourquoi tu t'engages avec Calédonie Ensemble? C'est pour moi le parti le plus mixé et un parti qui travaille pour justement le bien-être de tous les Calédoniens. Pourquoi tu es sur la liste? Si on commence le sport en loisir, on va vers le haut niveau et peut-être je gravis un échelon. Est-ce que tu penses que tu vas être élu? J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Et les Calédoniens au quotidien témoignent de leur amour et d'une image positive que je dégage. Tant mieux parce que c'est le but. Tu faisais quoi avant cette interview? J'étais chez moi et je me suis fait une tranche de tasard au barbecue. Et tu vas faire quoi après? Là, je dois aller au stade et accueillir les jeunes qui viennent faire du sport. Un dernier mot pour la fin. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes réfléchies et des personnes posées pour gouverner pendant cette mandature.